Salut tout le monde, c'est Carnage, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous montrer plutôt mon setup, plutôt, enfin tous mes jeux, tout ça, toutes mes consoles, tout ça. Donc là vous voyez déjà tout ce qu'il y a. Donc je filme avec mon téléphone, donc désolé pour la qualité du son et de l'image. L'image ça va, mais le son je pense pas, c'est nul. Mais bon, tant pis, on fait avec. Du coup, je vais tout vous présenter. Donc là comme vous voyez, voilà, il y a ma télé, voilà. Ici il y a la PS4, c'est la PS4 Batman que j'ai. Je l'ai eu il y a quoi? Il y a un an, même plus. Après, il y a une autre PS4 noire, bon, elle est pas 3 mois, mais bon, c'est quand même une PS4 que je jouais. Et une autre, et ça fait 3 ans que je l'ai depuis qu'elle est sortie. Là-bas, voilà, pile ici, il y a un boîtier. C'est pas un boîtier d'acquisition, c'est un boîtier pour la Wi-Fi. Je pense que tout le monde connaît la 4G. Donc ici à la PS3, donc voilà, la magnifique PS3, la meilleure console de tous les temps, tout simplement. Là-bas la PS2 et la PS1, elle est pas. Voilà, du coup je l'ai pas, je sais pas où elle est, je la trouve plus. Donc on va avancer. Pardon. Et ici on voit qu'il y a de la poussière sur la PS2. Ça fait 3 ans que j'ai pas utilisé la PS2. Il faudrait peut-être que la mette en route. Désolé si vous m'entendez pas trop bien aussi, c'est vrai. Du coup, voilà, là il y a tous mes Call of Duty. Après, on va avoir un autre jeu quand même. Des autres jeux que j'ai. Donc, ici, bon, ici il y a Call of Duty 2, Big Red One. Donc, c'est le meilleur Call of Duty entre les trois. Donc, les deux autres, je sais pas où ils sont. Le 1, je sais pas du tout. Je crois que je sais pas du tout. Je l'ai perdu. Et le 3 aussi. Et le meilleur des trois, c'est le 2. Donc, je l'ai encore. Un jour, j'y jouerai. En plus, c'est à la ligne, mais bon, PS2, il n'y a pas de ligne. Du coup, je l'ai pas. Du coup, j'ai mis un trou. Là, il y a tous les godichiers que j'ai en fait. Je vais tous vous montrer un par un. Je vais tous expliquer ceux qui connaissent pas. Et je pense qu'il y en a énormément qui connaissent pas les anciens Call of. Enfin, presque tout le monde. À part ceux qui sont vieux. Enfin, je dis ça, j'ai 15 ans. Mais bon, je sais pas pourquoi j'ai autant de Call of Duty. Mais bon, pas grave, tant mieux. Donc, 1, 2, 3. Les deux, je m'en rappelle plus. Non, lui non plus, je m'en rappelais plus. Heureusement qu'il est dessus. Call of Duty 4, donc là il y a la boîte Platinum, PS3, voilà, la base de Call of Duty, un des meilleurs Call of Duty. Il y en a beaucoup que c'est le meilleur, mais bon, voilà. Ici à World at War, sur PS2, je l'ai pas sur PS3, parce que je l'aime pas trop ce jeu en zombie bof. Mais voilà, Final Front. Et sur PS3, il s'appelle pas Final Front, il s'appelait World at War tout court. Après, PS3, NW2, donc c'est là où il y a c'est la révolution de Call of Duty, c'est là où la franchise a commencé vraiment à comment dire, à être très 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 populaire, tout simplement. Black Ops, le meilleur zombie, le meilleur oui, le meilleur zombie, enfin pas pour moi mais pour énormément de gens. Et ouais, c'est là où il y a tout eu, quoi, tout, enfin, voilà, c'était le bordel, Nuketown, tout ça, Lunch, enfin toutes les meilleures maps du jeu, enfin de toutes les Call of Duty limite. MW3, les armes cheatées, y a rien d'autre à dire. Non, je rigole. Le multijoueur, c'est un des meilleurs. Avec Black Ops 2, c'est un des meilleurs. Donc là, voilà, on a fait cette ligne. Après, Black Ops 2, le meilleur Call of Duty sur PS3. Enfin, sur PS3 et PS4. Enfin, tout, vraiment. Pour moi, c'est un des meilleurs. Le meilleur, je sais pas, je vais essayer de réfléchir un peu après. Ouais, je pense qu'il y a moins que ça soit lui, mais bon, on va voir. Call of Duty Ghost, donc là on passe sur PS4. Parce que Black Ops, c'est le seul dernier Call of Duty qui était pas sur PS4. Voilà, qui était pas sur PS4. Ghost, il y avait Ghost qui était sur PS3, mais là j'ai pris la PS4 parce que l'autre je l'ai vendu, la PS3. AW, PS4, donc aussi ce Call of Duty avec le premier double saut. Black Ops 3, je l'ai en l'état en métal et là, bon, elle est un peu cassée parce que j'avais fait tomber par terre, je crois, au début de la sortie. Je sais pas pourquoi. Et du coup, Black Ops 3, qui était un très très bon Call of Duty, vraiment, c'était le meilleur Call of Duty sur la PS4. Je vais en revenir après, peut-être, je sais pas. Après, sur PS4, toujours Infinite Warfare et Call of Duty Modern Warfare. Voilà, c'est allez, le nouveau, ça vous savez. Et du coup j'ai la boîte comme ça, il y a marqué terminal, si vous voyez bien. Donc voilà, bon, terminal. Et voilà, si on repère bien, donc je vais quand même tout vous montrer, un peu expliquer. J'espère que la vidéo va pas être trop trop longue, là elle dure 5 minutes, donc ça passe, c'est bien. Donc voilà, PS4, PS3, PS2 je l'ai pas, PS1 je l'ai pas plutôt. Du coup, alors si je me rappelle bien, le premier Call of Duty avait marqué 16 ans, donc on va essayer de voir un peu
Ouais. Là, c'est... Attendez. Là, si vous voyez bien, donc là, c'est super bien fait l'image. Vraiment, je sais pas si vous voyez bien. C'est un bonhomme avec une la Thompson qui est apparu sur Call of Duty 2, la Thompson. Du coup, bah, 16 ans. Enfin, plus 16, plus 16, plus 16. Plus 16, plus 16. Et le premier Call of Duty où il y avait plus de 18. Pourquoi? Bah, c'était la campagne, tout simplement. C'était l'histoire du jeu quand il y avait la... Tout le monde la connaît, tout le monde la connaît. Je pense, même ceux qui n'ont pas joué à ce jeu, tout le monde la connaît, enfin ceux qui jouent Call of Duty, bien sûr. Tout le monde la connaît normalement cette mission. C'est là où il y a eu un attentat dans l'avion, dans le terminal en fait, tout simplement. Et il y a eu des morts et tout, enfin c'était super bizarre. Moi je l'ai faite et j'étais super petit. J'avais quel âge? J'avais 6 ans, enfin non, 7 ans, 8 ans, je crois que je l'ai faite et j'étais super petit. Du coup, ben voilà, 16 ans, 18 ans, c'est le premier Call of Duty, 18, après 18 à cause du zombie, et 18, ben, je sais pas pourquoi, après ça fait pareil 18, donc trop Call of Duty. Donc voilà, 18 pour le zombie, 16 Ghost, parce que voilà, il y avait presque aucun sang, il était tellement mal fait ce jeu qu'on voyait pas trop le sang. L'histoire, il n'y a aucun sang, enfin il n'y a rien du tout, c'est pas trop Call of Duty, vraiment, Call of Duty, c'est plutôt la guerre. Là, c'était plutôt genre un jeu d'action, plutôt, moi je dirais. En histoire, tout ça. Parce que c'était dans l'espace et tout, vraiment, c'était super bizarre. AW, ben, pour les zombies aussi. Hein. C'était super violent aussi, les zombies. Enfin, violent. Oui, ouais, voilà, c'était un peu bizarre. Voilà, 18, bon, là on voit pas, mais c'est 18. Black Ops, tout le monde le sait. Et Call of Duty, Infinite Warfare et Code 4, c'est 18. Et là, ce que je comprends pas, alors, Call of Duty Remasterisé 4, enfin, le R. Il est à 18 ans, parce que bon, là il y a marqué 10, mais aussi dans le truc du jeu il y a marqué 18, et celui-là il y a marqué 16. Donc moi je pense que il est tellement mieux fait que du coup ils ont mis 18, parce qu'on voit plus le sang, tout ça. Mais bon, après moi je m'en fous un peu de trucs 18 comme ça, tout ça. Donc là on voit, je disais, que ici on voit qu'elle est super belle, et que les autres Call of Duty, donc on va avoir vraiment bien, on va essayer de. Voilà, bon, elle est un peu rayée, avec le reflet, tout ça. Donc voilà, Thompson. Après, on va voir l'arme qu'il y a là. Bon, je regarde en vrai. On dirait la bison, mais cette arme, elle n'était pas dans Code 4. Si je m'en rappelle bien. Non, je crois que c'était une arme en histoire qui était remasterisée un peu. Donc, elle vit Infinite War. Ah oui, ça, bah, je le ferai après. Ici, il y a la Thompson, qui était mieux faite que dans Call of Duty 2. Thompson, qui était largement mieux faite dans le truc du jeu, dans la couverture. Après, ici, il y avait la M16. Non, ou la M4, non, c'était la M4, ou un truc comme ça, c'était une sorte de M4, ou un truc comme ça, carabine M4. Ici, il y avait les pistolets Akimbo améliorés, enfin améliorés ou pas, on s'en fout, mais pistolet Akimbo de Black Ops qui était très très connu en zombie, tout ça. Ici, c'était normalement la M4A1, je crois que c'était la M4A1 de E3. Normalement, là on la voit pas trop parce que c'était super noir, donc celui-là, cette couverture, hein, je m'en rappellerai toujours, elle est vraiment très 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 connue. Celle-là aussi, mais un peu toutes, hein, mais voilà, il y en a vraiment quelques-unes qui sont très connues. M4, donc ici c'était le B23R, je crois, ou un pistolet qui n'était pas sur la Golden. Donc ici il y a des morceaux, je pense. Je sais pas, c'est bizarre. Ah, j'ai tellement ragé aussi ce jeu. Voilà, Ghost, ben voilà, il n'y a même pas d'armes, tu vois. Ça prouve que c'est un Call of Duty. Hein. Tous les Call of Duty ont une arme, mais Ghost, ben non. Voilà, ça a été quand même stylé avec le bonhomme, le chapeau, enfin le casque, le masque, là je filme pas bien plutôt, avec la tête de gosse, là on le voit même pas, mais bon, voilà, AW c'est l'HBRA3, donc AW, double saut, et Black Ops 3 c'était l'MR6 Akimbo, et Infinite Warfare, je sais même pas quelle arme parce que je connais pas les armes, et Code 4, ben, c'était la même, regardez, c'était la même que celle de Call of Duty 4S, ils ont bien fait de le mettre, donc voilà, à tout. Donc là, on voit une basket, hein, j'ai pas vu. Et voilà, ben moi j'ai un peu tout dit. Hein. Vraiment, j'ai tout ça comme jeu. Donc en vrai, j'ai tous les Call of Duty, j'ai tout eu, j'ai tout joué. J'ai tous eu, j'ai tous acheté. Toutes les consoles, j'ai acheté de PlayStation, PS Vita, PSP, PS3, PS1, PS2, PS4. Ça, j'ai dit plusieurs fois, mais on s'en fout. J'avais la Xbox 180, la Xbox 360 et la Xbox One. Et voilà, j'avais vraiment toutes les consoles, j'avais le PC, j'avais la Wii U, on me l'a prêté, mais c'est quand même la mienne. J'avais vraiment tout, la Wii, j'avais
la Game Boy, j'avais la GameCube, j'avais vraiment la DS 3D, la DS XL ou un truc comme. Non, la 3D je l'avais pas, mais bon, après j'étais grand, donc je jouais plus à ça. Mais voilà, j'avais vraiment tout. Tous les jeux, enfin. J'étais vraiment. Depuis. Je jouais déjà au jeu. À Call of Duty, on va dire à la PS1. Je jouais, bah, je jouais vraiment rarement, genre une fois tous les week-ends, quoi, on va dire. C'était PS1, PS2. Je jouais au Call of Duty. Le premier Call of Duty que j'ai joué, c'est Call of Duty 2. Après le 3 et après le 1, mais bon, j'ai quand même joué aux tous. Mais vraiment, le premier FPS, le premier jeu de guerre, c'était Medal of Honor, je crois. Je crois que c'était Medal of Honor, et on va vite fait parler de ça, de ce jeu que j'ai trouvé aussi, qui est très vieux. Il y a personne qui le connaît presque. Enfin, pas énormément de monde. Il est vraiment très très. Comment dire? Il est ancien. C'est le premier Sniper Elite. Donc il y a le Sniper Elite 1, 2, 3 et 4. Si je crois qu'il y a le 4. Bah oui, il y a le 4 parce que je crois que je l'ai eu sur la Xbox One. Il était très très bien. Ce jeu, bah, c'est un jeu de sniper. Il y a de l'arme dedans aussi. Et en gros, quand tu tires une balle, bah, tu vois la balle comment elle fait. Et qui va sur le joueur, et tu vois le corps entier, tout ça, c'était vraiment très bien fait. Et ce jeu que Napoléon a fait une vidéo sur la PS2, c'est Black. Donc ce jeu, il faisait, enfin, à mon âge, quand je jouais, il faisait assez peur parce qu'il était tout noir. Il était vraiment, il y avait que du noir dans ce jeu, des armes toutes noires, enfin, il y avait tout qui est noir. Et moi, bah, j'avais pas dans. Normal, j'avais 7 ans comme tout le monde. Et voilà, après, bah, du coup, j'ai joué à tous les Call of Duty. J'ai fait bon les 3, le code pas parce que je vois n'importe comment. Code 4, je l'ai fait à l'année. World at War, je l'ai fait. 1, 2 et 2, je l'ai fait. Black Ops 1, je l'ai fait. 1, 2 et 3, je l'ai pas fait. J'ai fait que du Black Ops 1 Zombie. Et 1, 2 et 3, je l'ai. J'ai même pas vu. J'ai même pas vu qu'il était sorti, tout simplement. J'ai même pas vu s'il était sorti. Enfin, je sais même pas si. Je sais même pas que c'est un Call of. Je sais même pas qui c'était, mais bah après je l'ai eu après avec Black Ops 2 un tout petit peu avant les vacances. Black Ops 2, bon les dates on les dit pas, il y a trop de choses à dire. Déjà que la vidéo elle dure assez longtemps là, j'espère qu'elle vous ennuie pas tout court en fait tout simplement. Et Black Ops 2, Ghost, et j'ai joué hein, les deux. Black Ops 2, j'avais 100 jours de jeu, donc c'est le collectif que j'ai le plus joué, surtout ouais, en multijoueur et en zombie, c'est. Ah, j'ai dû passer ouais, un an entier, tu vois, à jouer, juste comme ça. Donc, 5e, il sortit à ma 5e, là, sur seconde. Donc, 5e, 4e, 3e et seconde. C'est ça ou pas? Ouais, mais on va dire ça un peu comme ça. Parce que moi, j'ai un âge, je suis né en fin d'année, donc c'est un peu bizarre, bon, bref, voilà. Lui, j'ai joué à 4 ans d'affilée, on va dire, sur Xbox, sur toutes les consoles qui existent sur ce jeu, j'ai joué. Les 3 en fait, les 4, 5, enfin bon, bref, on s'en fout. Ghost AW, j'ai joué un an, non, j'ai joué 6 mois, je crois. Lui, j'ai joué 6 mois aussi. Black Ops 3, j'ai joué toute l'année entière, presque. Infinite Warfare et Code 4, ben, je suis en train de jouer, mais là, je vais lâcher. Je vais jouer à ça, 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 ça. Voilà, les anciens Call of. Et après, eux deux, non, ils sont trop vieux et ils m'intéressent plus du tout. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En plus, la truc, elle va s'éteindre. Enfin, tellement elle est envahie. Ça fait 14 minutes que je fais la vidéo, enfin, c'est énorme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était intéressant pour vous, pour moi aussi, que je vous ai montré bah, tout ce que j'ai comme jeu. Après, on va vite fait, mais vraiment vite fait. Voilà, Battlefield Online, que j'ai sur PS4. FIFA 14, que je m'en fous. The Last of Us, qui est le meilleur jeu pour moi, à parler comme dit bien sûr, qui est le meilleur jeu. Du monde pour moi, vraiment, il y a encore mieux que tout à part les Call of Duty, enfin, certains Call of Duty, Rainbow Six Siege que je m'en fous aussi, et Minecraft aussi que je joue plus de temps en temps, rarement, mais voilà, vite fait, on va dire. Donc voilà, j'espère que la voix elle était bien aussi. C'était un peu bizarre, c'est pas comme ma voix sur la PS4 quand je fais des vidéos sur PS4. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez tous les codes dit. Mettre des preuves sur Twitter, envoyez-moi un message. J'ai Twitter, donc envoyez-moi un message. Sur mon beau compte, j'en ai deux. Il y en a un que je me suis fait hacker. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, bah, moi j'ai plus rien d'autre à dire. N'hésitez pas à commenter, à me dire bah, tous les codes dit que vous avez.
ce que vous avez joué et aimé aussi les consoles, tout ça, enfin un peu tout, vos jeux préférés, tout ça. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine, c'était Carnage, allez ciao!